Nataka cha Salomo. On continue pour évoquer pour les chrétiens. Il y a d'autres choses. Pour la vie, à aucun moment qu'on le vient, et mon frère qui vous comprend comment la balance. La logique chrétienne, on faisait déjà la démarche. Parce que en tant que chrétien, même s'il fallait négocier 10 000 fois, on aimait comme ça. Dans le monde, on a un compte de Dieu, on a dit, si on prend la vérité, je suis chrétien, je maîtrise. Donc, on est un chrétien, très beau et aucun mot de soi. La chrétien va soit dans la vie, soit la vie. La chrétien va dans la photo, elle va douter, la chrétien va dans la justice. Côté où on a pour le bien sûr, c'est un droit d'affaire dans ce soir. Ça, c'est un. Deuxième. N'ayons-nous qu'il y a l'objet quelque part, objectif, faisons poursuivre derrière ce dossier, c'est-à-dire à Pasteur Moïse, à reconnaître ma gamboy et à sa vie. Sauf que ça a reconnaissance, c'est aux autres dans la gamboy, vous êtes dans le faux. Parce que la reconnaissance, la somme qui est là-haut dans il y a un sens dans la niveau église, n'est-ce que vous fournissez pas par contre l'église, par contre l'église, n'est-ce que vous fournissez pas par contre l'église, vous voyez qu'il y a un frère dans le bénir, ce qui 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 frère dans le bénir, ce au point de dollars pour sa monnaie. Parce que la finalité, tant qu'on va couper sa Moïse charge, et qu'on va constater que charge des années coronaires, il est pour toute chose, bah, dommage et intérêt pour ça. Maman n'a pas foutu avec ça. Maman n'a pas voulu voir un bon pour le matin, ton jour, ton côté, pour le mec à reconnaître, tout ce qui va faire si mort pour le dommage, pour vous soyez un bon. Et combien, pour vous estimer si vous dommager, maman, ouais, elle va dire, vous pouvez s'aider pour nous. Merci. Bravo, il y a des petits talons là. Je suis prêt à m'en aller. On nous dit que ma chrétien va soit dans la carte. Sur la croix. Et tu parles des chrétiens. Tu ne parles pas d'un chrétien. C'est-à-dire, lorsqu'il y a deux, ça veut dire que vous priez. Deux chrétiens vont être soit dans la carte. Est-ce que dans cette affaire, il y a réellement deux chrétiens? Est-ce que dans cette affaire, c'est parce que je m'appelle. Apporte que tu m'as là, c'est que je suis chrétien. J'ai dit que nous avons été éduqués à l'orgueil. Un chrétien n'est pas orgueilleux. Merci mon frère. Il ne faut pas s'embourber. Je l'ai dit, je l'ai posé la main. Il ne faut pas coller à une personne et dire qu'elle doit s'en ajouter. Laissez l'apparence, mais recherchez le fond. Nous avons dit que la chrétienne a fait le pas. Bible au temps de la matinée d'ailleurs. Par le si l'un tombe, l'autre le relève. Rechercher la paix avec tous. Nous avons commencé par rechercher la paix. Mais pas avec tous, pas avec les femmes. Donc, on va vous parler sur la qualité dans le temps de l'ensemble de Dieu. Aujourd'hui, c'est la chrétienne qui a fait la démarche. Auprès des pères. Est-ce que le soi-disant chrétien n'a-t-il pas eu un esprit qu'il a des pères, des anciens et des aînés dans ce qu'il fait comme travail? Nous ne pouvons pas rechercher la paix si et seulement la personne avec qui nous voulons traiter n'a pas ce caractère chrétien. Mais n'empêche que comme la personne est porteur d'une qualité, nous avons saisi en bonne et due forme les responsables de cette institution pour nous enterrer si et seulement si cette qualité est conforme à l'appellation chrétienne. Segundo, en droit, toute procédure a
peine, peine d'emprisonnement, peine d'amende, peine. Elle a saisi pour que Jésus soit fait. Si la justice fait en sorte qu'il y ait des amendes, il y aura des amendes qui seront payées par la loi. Je dis, je vous remercie. Est-ce une question? Maintenant, poser une question à la révérende Pango. Parce que ce matin, nous tous sommes là dans. On a contacté les passés sur une encourage. Maintenant, je me présente pour poser comme vous êtes déjà là. Un gars qui n'a posé une question là-bas, Naïo, mais un gars qui a posé un nom à l'évangile en vous, Naïo, vous a concerné. Ce matin, nous avons constaté, nous avons contacté les pasteurs sur le Fafita, qui est actuellement président de la FKC, pour poser des problèmes, pour poser des questions, pour savoir si réellement il est informé, il y a un dossier, il y a un mémorial, non, de Moïse. Pasteur Souni nous a dit qu'il n'est pas informé, donc l'Église de l'État n'est pas informé. Au contraire, Azab Sera, Nekogéliano, la famille Naïe, Nabinoé, Nabinoé, avocat, ou accompagné, quand on voit ça, saisi, avec l'avocat, la paix, la liberté de l'oreille, comment va pouvoir vous procéder. Alors, il rend bravo à Zali, une grande figure dans le monde de l'Évangile de l'eau. Merci, cher confrère, pardon. Il reste plein de questions. Hein, nous avons là le temps de la réponse, cher avocat. Non, ça veut dire que j'ai l'impression que les autres sont en train de parler. S'il vous plaît, que ceux qui sont partis puissent laisser la tour. Voici, il y a quelques autres. Tout à l'heure, Christophe vient de parler, dit que le président de l'Église de Veille, qu'il n'avait pas été saisi officiellement et qu'il attendait. Donc, il y a une procédure d'abord d'institution et de confession. Moi, je suis inspecteur général de l'Union européenne. J'étais saisi par le maître Nagasi. Et je lui ai dit que l'Église ne peut pas parler ou parler sur base des informations qui sont sur les ressources. Ça, c'est la première chose. De deux, l'Église belgienne n'avait pas parlé, n'avait rien dit. C'est ainsi que je cherchais d'abord à rencontrer la famille. À rencontrer la famille d'Eliane et puis voir Eliane elle-même et savoir de quoi il s'agit. À l'état où nous sommes, je peux bien vous rassurer, même si le collectif des avocats tient à aller jusqu'au bout, si je suis venu dans cette conférence de presse, c'est parce que l'Église du Réveil ne peut pas aller dans les besoins en train de demander à tout le monde, attendez qu'on puisse parler. Donc, le collectif me permet de dire que nous demandons au collectif et aux parents des liens et à tous ceux qui s'agitent aussi dans le camp du pasteur Moïse d'arrêter d'abord toutes leurs procédures. Pourquoi? Parce que si il est question que Moïse oublié demande pardon ou qu'il dise quelque chose, nous ne sommes pas en train de dire un tel a raison, un tel a tort. Vous voyez comment vous êtes en train de vous agiter. Tantôt c'est une relation qui était là, qui pouvait évoluer, tantôt c'est dératé. Avec tout ça, ça ne fait pas l'honneur d'un pays. Nous demandons d'abord au collectif de nous donner du juste des jours. Parce que le samedi, nous voudrons avoir autour de nous la famille de Nian, elle-même,
le Bethel parce que le pasteur Moïse n'est pas sur place pour écouter, parce qu'il est écrit ceci. N'écoutez jamais l'accusation contre un ancien, si c'était que sur deux positions de Dieu ou le troisième. Alors ici, nous nous retrouvons dans une situation où il y a plusieurs témoins, c'est plusieurs témoins déjà à la fois. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous demandons. Je suis venu, j'ai accepté d'être là pour supplier les politiques, supplier et la famille. Dis, donnez-nous deux jours. La journée d'aujourd'hui, exode de jeudi et le vendredi. Parce que le samedi, à partir de 12h, je pense que tout le monde peut être déjà dégagé. On se rencontre au quartier général de l'armée et l'Internet, là où se trouve le président et l'évêque général. Le président du conseil des sages, c'est notre structure qui est chargée de la discipline, de l'audit et des règlements des conflits. Moi-même, en tant qu'inspecteur, j'ai déjà suffisamment de preuves. Le président va avoir le rapport et l'église peut-être peut demander carrément au pasteur Moïse de suspendre ses prédications. Et même le président de Michel peut demander au Michel Moïse de suspendre cette prestation de telle sorte qu'on règle d'abord ce qu'il y a à régler. Ça, c'est ce que je vous demande. Je vous demande à vous, comme à tout le monde, que le président de l'Église de Romain a pris en charge le dossier. Nous demandons au collectif, c'est leur droit. Parce que même quand j'arrive là-bas, on peut dire arrangez-vous à l'amiable. Mais et quand il y a une démarche qui peut être suspendue, il faut se le peine parce que nous ne sommes pas dans le pénal. Je pense que il faudrait. Pénal, pasteur. Oui. C'est dans le pénal, l'action publique est déjà déclenchée. Elle est déjà déclenchée. Oui. Bon, alors. C'est le ministère public qui va tout gérer. C'est pas grave. Je voudrais vous demander de nous comprendre le demande de politique. De nous donner des jours. Vous avez dit la journée de vendredi. Et ils ont des jeudis et des vendredis. Non, pourquoi on est une question? Je vous dis que l'église du réveil est supposée être officiellement saisie aujourd'hui parce que l'affaire n'était pas encore arrivée au président et que dès cet instant que je me suis présenté devant vous, donner la possibilité à l'église du réveil de rencontrer la préoccupation des collectifs de l'avocat et de la famille. Merci beaucoup. Une question avant de rien. Je me présente au nom de l'île de Rogos. Je suis là pour payer Thierry et mon centre de Thierry. Question d'après les alentours. Elle est une adouna. Comment on a sœur légale, la 10e ou la 12e apôtre, la 10e ou la 13e apôtre à la tête du pays, de Totouna. Dans les lois, il m'a donné qu'il y ait au sein du moment de la peine.
pour retirer plainte. Le ministère public va continuer. C'est-à-dire, tout le cas, tout qui n'est pas général, ce n'est qu'à foutre son esprit. Et nous, nous sommes la question de son comprendre. Nous avons fait à peu près 3 quarts d'heure, nous avons dit pour nous. À un moment donné, je me suis dit, ça ne dépend plus et de nous et de vous. Et comme hier, on nous avons dit, maintenant, on a fait un détail. Eliane, pour lui, c'est une sorte de magie. Si vous ne le savez pas, le pasteur Moïse, à son tenir ou à son détenir, ma âme y a pas de lui. Les gens ne cherchent pas à le clouer, mais les gens cherchent à être édifiés. Cette affaire va édifier beaucoup de gens. On dit qu'on commence à un épisodique, mais qu'on commence à un bout. À un moment donné, on commence à se fatiguer. Dans notre pays, on est dans la construction des aéroports, je ne sais pas de tout ce qui est. Là, on est en train de s'attarder, excusez-moi, sur des frivolités.